À la météo, Isabelle, refroidissement des températures et même beaucoup de pluie dans certains secteurs. Ouais. il faut dire que ça saisit aujourd'hui. On retrouve ouais. les normales de saison et on surveille un système au fait qui, relonge, qui longe la côte est américaine et qui va apporter pas mal de pluie, entre autres sur la basse côte nord, les îles de la Madeleine. On est en avertissement de pluie, 50 à 70 mm. Ça devrait tomber davantage ce soir, cette nuit, mais aujourd'hui, quand même, la pluie va commencer. Et vous allez le voir sur la carte radar, on a une bonne bande de précipitations qui accroche au passage le littoral, la Gaspésie, qui touche la côte nord. Et regardez ce qui se passe ici complètement à l'ouest. Donc sur le nord de l'Ontario, la baie de James, on a quelques flocons qui débordent sur la BTB et demain, il y aura des flocons pour plusieurs secteurs à travers le Québec. Mais ça ne sera pas intense, on n'a pas de grande quantité, mais on voit qu'il y a quand même l'instabilité en fin de semaine donc qui se promène sur notre Québec. Alors aujourd'hui, on le voit bien, températures qui sont dans les normales de saison. On aura du soleil pour les secteurs du sud et du centre, des nuages assez imposants, mais dans les extrêmes, ce sera plutôt grisonnant. On fera le tour de toutes les régions du Québec un peu plus tard dans le à tantôt. À tantôt.